C'est maintenant
du chemin, et s'il te plaît, descendons le long des bancs de l'Ilissus. Là, nous trouverons une place solitaire pour nous asseoir où tu voudras. Je m'applaudis en vérité d'être sorti aujourd'hui sans chaussures, car pour toi c'est ton usage. Qui donc empêche de descendre dans le courant même et de nous baigner les pieds tout en marchant? Ce serait un vrai plaisir, surtout dans cette saison et à cette heure du jour. Je le veux bien, avant ce nom qui cherche en même temps un lieu pour nous asseoir. Vois-tu ce platane élevé? Eh bien, là nous trouverons de l'ombre, un air frais et du gazon qui nous servira de siège ou même de lit si nous voulons. Va, je te suis. Dis-moi sans crainte, n'est-ce pas ici quelque part sur les bords de l'Ilissus que Boréan leva, dit-on, la jeune Orythie? On le dit, mais ne serait-ce pas dans cet endroit même? Car l'eau est si belle, si claire et si limpide que des jeunes filles ne pouvaient trouver un lieu plus propice à leur jeu. Ce n'est pourtant pas ici, mais deux ou trois stades plus bas, là où l'on passe le fleuve. On y voit même un hôtel consacré à Boréan. Je ne me le remets pas bien, mais dis-moi de grâce, crois-tu donc à cette aventure fabuleuse? Mais si j'en doutais, comme les savants, je ne serais pas fort embarrassé. Je pourrais subtiliser et dire que le vent du nord l'a fit tomber d'une des roches voisines quand elle jouait avec pharmacie, et que ce genre de mort donna lieu de croire qu'elle avait été ravie par Boréan. Ou bien je pourrais dire qu'elle tomba du rocher de la Réopage, car c'est là que plusieurs transportent la Seine. Mais à propos, n'est-ce point là cet arbre où tu nous conduis? Charmant lieu de repos, comme ce platane est large et élevé, et cet Agnus cactus avec ses rameaux élancés et son bel ombrage. Le
dirait-on pas qu'il est tout en fleurs pour embaumer l'air? Quoi de plus gracieux, je te prie, que cette source qui coule sous ce platane et dont nos pieds attestent la fraîcheur? Ce lieu pourrait bien être consacré à quelque nymphe et au fleuve à qui l'on use, avant jugé par ses figures et ses statues. Goûte un peu l'air qu'on y respire. Est-il rien de plus suave et de si délicieux? Le chant des cigales a quelque chose d'animé qui sent l'été. J'aime surtout cet air touffu qui nous permet de nous étendre et de reposer mollement notre tête sur ce terrain légèrement incliné. Cher Phèdre, tu ne pouvais mieux me conduire. Depuis la condamnation de Socrate, nous ne manquions pas un seul jour d'aller le voir, comme la place publique où le jugement avait été rendu était tout près de la prison. Nous nous y rassemblions le matin et là nous attendions en nous entretenant ensemble que la prison fût ouverte, et elle ne l'était jamais de bonheur. Le geôlier qui nous introduisait ordinairement vint tout devant de nous et nous dit d'attendre et de ne pas entrer avant qu'il nous appela lui-même. Quelques moments après, il revint et nous ouvrit. En entrant, nous trouvâmes Socrate qu'on venait de délivrer de ses fers Xantippes. Tu la connais, auprès de lui et tenant un de ses enfants dans ses bras. Alors Socrate se mettant sur son séant, plia la jambe qu'on venait de dégager, la frotta avec sa main et nous dit: l'étrange chose, mes amis, que ce que les hommes appellent plaisir, et comme il a de merveilleux rapports avec la douleur que l'on prétend contraire, n'est-ce pas dans la
jouissance et la souffrance que le corps subjugue et enchaîne l'âme. À grand-peine persuaderai-je aux autres hommes que je ne prends point pour un malheur l'état où je me trouve. Puisque je ne saurais vous le persuader à vous-même, vous me croyez donc à ce qu'il paraît bien inférieur au signe pour ceux qui regardent le pressentiment et la divination. Les signes, quand ils sentent qu'ils vont mourir, chantent encore mieux ce jour-là qu'ils n'ont jamais fait, dans la joie d'aller trouver le Dieu qu'ils servent. Bien que j'ai plusieurs fois admiré Socrate, je ne le fis jamais autant que dans cette circonstance. J'étais assis à sa droite, à côté du lit, sur un petit siège. Et lui, il était assis plus haut que moi, me passant la main sur la tête et prenant mes cheveux qui tombaient sur mes épaules. Demain, au Phédon, dit-il, fera couper ses beaux cheveux, n'est-ce pas? Il se leva et passa dans une chambre voisine pour y prendre le bain. Criton l'y suivit. Socrate nous pria de l'attendre. En entrant, il s'assit sur son lit et n'eut pas le temps de nous dire grand-chose. Car le serviteur des onze entra presque en même temps et s'approchant de lui, Socrate, dit-il, j'espère que je n'aurai pas à te faire le même reproche qu'aux autres. Dès que je viens les avertir par l'ordre des magistrats qu'il faut boire le poison, ils s'emportent contre moi et me maudissent. Mais pour toi, je t'ai toujours trouvé le plus courageux, le plus doux et le meilleur de ceux qui sont jamais venus dans cette prison. Et en même temps, je sais bien que je suis assuré que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre ceux qui sont la cause de ton malheur et que tu connais bien. Maintenant tu sais ce que je viens t'annoncer. Adieu, tâche de
supporter avec résignation ce qui est inévitable. Et en même temps, il se détourna en fondant en larmes et se retira. Socrate, en le regardant, lui dit : Et toi aussi reçois mes adieux. Je ferai ce que tu dis. Et se tournant vers nous, voyez-nous, dit-il, quelle honnêteté dans cet homme. Tout le temps que j'ai été ici, il m'est venu voir souvent et s'est entretenu avec moi. C'était le meilleur des hommes. Et maintenant, comme il me pleure de bon cœur, obéissons-lui de bonne grâce et qu'on apporte le poison s'il est broyé, sinon qu'il le broie lui-même. Ficinia, l'esclave qui se tenait auprès. L'esclave sortit, et après être sorti quelque temps, il revint avec celui qui devait donner le poison, qu'il portait tout broyé dans une coupe. Aussitôt que Socrate le vit, fort bien, mon ami, lui dit-il, mais que faut-il que je fasse? Car c'est à toi de me l'apprendre. Pas autre chose, lui dit cet homme, que de te promener. Quand tu auras bu, jusqu'à ce que tu sentes tes jambes apesantir, et alors de te coucher sur ton lit, le poison agira de lui-même. Et en même temps, il lui tendit la coupe. Porta la coupe à ses lèvres, il a bu avec une tranquillité et une douceur merveilleuse. Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir. Après qu'il eut bu, nous n'en fûmes plus les maîtres. Pour moi, malgré tous mes efforts, mes larmes s'échappèrent avec tant d'abondance que je me couvris de mon manteau pour pleurer sur moi-même.
ce n'est pas le malheur de Socrate que je pleurais, mais le mien en songeant quel ami j'allais perdre. Cependant Socrate, qui se promenait, dit qu'il sentait ses jambes s'apesantir, et il se coucha sur le dos comme l'homme l'avait ordonné. En même temps, le même homme qui lui avait donné le poison s'approcha, et après avoir examiné quelque temps ses pieds et ses jambes, il lui serra le pied fortement et lui demanda s'il le sentait. Il dit que non. Il lui serra ensuite les jambes et portant ses mains plus haut, il nous fit voir que le corps se glaçait et se raidissait. Et le touchant lui-même, il nous dit que dès que le froid gagnerait le cœur, alors Socrate nous quitterait. Alors se découvrant, Socrate dit: Criton, nous devons à Coq, à Esculape. N'oublie pas d'acquitter cette dette. Un peu de temps après, il fit un mouvement convulsif. Alors l'homme le découvrit tout à fait. Ses regards étaient fixes. Criton, s'en étant aperçu, lui ferma la bouche et les yeux.